Salut tout le monde, bienvenue dans le quatrième round de cette saison BTCC 1997. On est du côté de Brandsatch pour vivre la quatrième manche de la saison et les premières news ne sont pas bonnes puisqu'il pleut. Il va donc pour la première fois monter les gommes pluie dans cette saison avec au programme sans doute des sorties de piste et de l'action. En tout cas l'action, il n'en a pas manqué depuis le début de cette saison et on va tout de suite commencer par notre pénibilité habituelle, la qualif ici à Brands Hatch dans sa version Indy, vous le voyez, c'est parti donc pour la quatrième manche de cette saison avec la qualif. Deuxième sortie dans cette pit lane pour nous lors de cette qualif. Allez, on reprend la piste et on va essayer de chauffer les gommes. Hop, alors qu'on est... Non mais ça va, il y avait moyen de passer Paul, fallait pas non plus... Oh là là. Allez, Paul Radicic, drapeau bleu. Alors que l'on est ceinturé par les deux Mondeo, on va tenter de refaire un chrono. Ça passe. On va dire que ça passe. Oh, dans Druids, on est à l'arrêt complet. Faire l'extérieur à Will Hoy. Et on est pas mal, hein, mine de rien. Fait un beau tour. Pour l'instant, on est 24e et bon dernier. On va inscrire notre premier tour chrono. Et c'est la pole. Oh! Oh, pôle provisoire, et pour ça on va fêter ça dans le gravier, non mais... Eh bien il aura fallu un tour propre et on est en pôle. Alors je dois vous avouer que c'est sans doute dû aux soucis qui se passent après Druids, mais... Oui, on va laisser passer Paul, maintenant on va plus l'embêter. Hein, Pas commencer à faire notre Avalia et aller taper dans Paul Radicic à chaque course. Même si là, je vous avoue qu'on n'est pas loin. Bon, bah écoutez, bonne qualif pour le moment. Incroyable. Eh bien, une quatrième manche qui s'annonce sous les plus beaux cieux. Ah, mais je voudrais rentrer au box, moi. Donc, faites que Paul ne me coupe pas en deux. Voilà. Parce que Patrick Watt, c'est reparti. On a des bons mécanos chez Peugeot. Sous les trompes d'eau, ici à Brands Hatch, on va vivre sans doute une manche très animée avec les deux Renault en pole position, plateau devant menu, Ricard Reidel 3e devant Franck Biela 4e. La première Honda Accord est celle de James Thompson devant la première Vauxhall de John Cleland. On retrouve ensuite Tarquini. Aux côtés de lui, la première Nissan, celle de David Leslie. Nouvelle belle performance pour Tim Harvey qui se place devant la voiture de Matt Neal qui a fait la pole en catégorie indépendante une nouvelle fois. Les deux Ford sont devant. La deuxième Audi, celle de John Bincliffe. Nous serons assez loin sur la grille. Vous le voyez ici, 16e position pour nous derrière la voiture de Patrick Watts. Derrière, il reste encore des voitures officielles. Celle de Derek Warwick et enfin les autres indépendants avec notamment Wall, Galli, Brooks et les autres qui sont là-bas dans le fond. C'est parti!
le départ de la quatrième manche ici à Brandzach et ça risque d'être animé avec la pluie qui est bien présente. On va s'engouffrer pour la première fois dans Paddock Hill Bend. Oh, sous-virage général. Hop. Et on ralentit pas mal. On parvient à s'en sortir à l'intérieur. On prend quelques positions. À l'extérieur, on est en pneu. Pluie. Attention, Matt Neal qui est à la bagarre avec l'une des Honda officielles. Oh, ça part large pour tout le monde. Dans le gauche. Et on va suivre la manœuvre. Non, Matt Neal qui parvient à tenir la Mondeo. Matt Neal qui est en tête en catégorie indépendante. Les deux voitures de l'équipe Dynamics qui sont là. Oh, et nous, on va dans l'herbe. On va dans l'herbe et on a perdu un pare-choc devant. C'est sans doute une Nissan Team Harvey qui est partie dans le gravier. Eh bien, ça part fort pour ce premier tour ici à Brandzach. Et on est aux portes du top 10 et des points qui vont avec pour le moment. Et ça commence à changer de trajectoire. Premier passage sur le transpondeur. Et on va passer la voiture de Tarquini. On est à 3 de front d'Androids. Ça ne peut pas passer. Harvey qui prend l'avantage. On va soulager un petit peu pour laisser passer Tarquini. Attention derrière nous, on n'a pas oublié la Ford. Oh, et ça part au large. Il y a énormément de problèmes ici pour tout le monde. Nouvelle escapade dehors. C'est Will Hoy qui passe devant nous. Matt Neal qui est derrière. Et je crois que c'est Rob Gravett hein, qui a repris l'avantage avec la Honda Accord juste derrière nous. Des voitures dans tous les sens. Ce n'est pas Rob Gravett, pardon. C'est Derek Warwick, l'ex-pilote de Formule 1. Avec la Vauxhall blanche. Alors, on les confond dans les rétroviseurs. Et on va couvrir un deuxième tour ici à Brandzach avec les gerbes d'eau qui jaillissent de l'arrière des différentes voitures devant nous. Et pour l'instant, en catégorie indépendante, on est au beau fixe. Oh, et on se fait quasiment harponner par Derek Warwick. Et on a une roue qui est partie. C'est sans doute la voiture de Will Hoy. C'est terminé. C'est terminé pour Will Hoy qui est allé casser sa suspension sur l'arrière de la voiture de sans doute Gabriele Tarquini. L'Italien peut continuer en 10ème place. Oh, et un tête à queue et un crash énorme. Devant, deux voitures appliquées. Les deux Honda dans un crash. Attention, drapeau jaune. Est-ce qu'on va avoir droit à une safety car? C'est pas impossible. Tarquini au ralenti, on ne peut pas doubler, on est encore sous drapeau jaune. Team Harvey impliqué et sans doute John Bincliffe avec l'Audi Quattro qui a été harponné par James Thompson. Tarquini continue. Team Harvey également, ils ont perdu leur pare-choc. On est en 8ème position de cette course et on n'a fait que 3 tours. Attention parce que les voitures devant vont sans doute perdre pas mal d'adhérence avec le pare-choc en moins devant. Oh oui, ça s'ouvre beaucoup pour les deux voitures devant nous. Et c'est le gravier pour la Honda Accord. Hop, qui manque de nous repasser sous les drapeaux jaunes d'Androids. Il doit y avoir des roues partout. Et la direction de course qui ne bronche pas pourtant. On pourrait passer sous régime de safety car assez facilement. Et on va être calme. Il y a encore des voitures arrêtées. Oh, il y a encore des voitures arrêtées. C'est Anthony Reed et David Leslie, les deux Nissan officiels qui sont out. Les deux Nissan officiels qui sont out et qui sont au milieu de la piste. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va évacuer ces voitures ou est-ce qu'on va tourner avec deux voitures sur la piste jusqu'à la fin? Ce serait un petit peu ridicule. John Cleland ici en difficulté. On est cinquième. On est cinquième pour le moment. Est-ce qu'on peut aller chercher John Cleland dans le premier droit de Paddock Hill? On va tout droit. On va tout droit et on va dans le gravier. Ça repasse pour Team Harvey. Ah, c'est un jeu, une loterie incroyable. Ici, on voit Tarquini derrière. Tarquini qui revient très très fort. On est un petit peu au ralenti pour le moment. En grosse, grosse galère. Tarquini nous repasse. Sans trop de difficultés. Ça y est, les Nissan ont été évacués. Et on repasse Tarquini. On est sixième. On est en train de faire une excellente course dans ce meeting. Team Harvey, cinquième pour l'instant avec la Peugeot. Il y a Galli devant.
Et Gali qui est devant nous, mais qui est sans doute à un tour de retard avec la BMW. On va voir Tim Harvey passer à gauche. Nous, on va prendre l'intérieur sur la BMW. Qui s'écarte au drapeau bleu. Et nous, on n'a plus de train avant. Ah, c'était dommage. C'était passé. Tarquini repasse. On est septième. On est 2 secondes devant la voiture qui nous suit. Celle de Patrick Watts. Oh, Gali qui freine quasiment tout le monde là. On est arrêté dans Druids complet en première. 7ème position, tout le monde peut gagner cette course. Tout le monde peut s'imposer avec ce qui se passe. Oh Gali, c'est compliqué. Voiture très délicate du train avant. On va essayer de ne pas sortir à paddock hill à tous les tours. Allez Tarquini, prenable plus que jamais avec la Honda Accord. Je suis obligé de freiner très très tôt pour réussir à braquer dans paddock hill, sinon ça passe pas. Et Tarquini, avec qui on s'explique, on est obligé de remettre en première. J'ai sans doute des dégâts à l'avant parce que le train avant m'empêche de tourner convenablement sur la droite. La gauche ça va, mais la droite c'est beaucoup plus délicat. Allez, on peut s'emparer de la position de Tarquini, P6. On est totalement relâché par rapport à l'adhérence de la voiture. Tourner à droite c'est un calvaire et ça va être embêtant à Brands Hatch parce qu'il y a 6 virages sur 8 à droite. Ah, on en est où alors? 7 tours couverts, il reste encore, j'ai envie de dire, 8 minutes de course. Ça paraît interminable. Et on signe le nouveau record du tour. Et on est percuté! On est percuté par Tarquini! Tarquini qui nous a percuté, il était beaucoup plus rapide. Alors maintenant, on a sans doute des dégâts à l'arrière de la voiture. Et on a en plus la Peugeot qui revient. Celle de Patrick Watts. C'est de la folie, c'est de la folie. Je ne sais même plus qui est en tête à ce stade-ci de la course. Sans doute l'une des Laguna, bien sûr, mais laquelle? Pas le classement. Des voitures dans tous les sens. Et Tarquini qui nous a mis tout simplement en tête à queue. Il n'a pas pu patienter. Allez, 9ème tour. Là on était trop court par contre. Oh, le train avant est un cauchemar. On a sans doute des dégâts à la suspension hein, parce que là on peut espérer grand chose de la voiture. Tarquini en difficulté. Tarquini en grosse difficulté. Prendre l'intérieur sur l'italien. Force un peu le passage. Où est la Honda? Il était là. Je pense qu'on est... Voilà, Fax à nouveau. Record du tour, on va le laisser sortir large. Wow, c'était chaud! Oh, si on peut aller chercher un top 5 en double anti-Marvé, ce serait excellent. 4ème position pour John Cleland. 3ème, semble-t-il, la Volvo de Richard Reidel. Oh, Richard Reidel qui est pour l'instant encore sur le podium, sans doute derrière les deux Laguna. On fait l'extérieur à anti-Marvé, on est en 5ème position! Tim Harvey à l'intérieur qui va avoir un meilleur run. Il peut rien faire face à la 406. Si ce n'est de forcer d'être à l'extérieur pour le prochain virage.
Attention, il y a des débris devant sur la piste. Peut-être un accident encore dans la descente. Il faudra faire attention à la sortie éventuelle de drapeau jaune. C'est le cas. On ne peut plus doubler normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On ralentit dans la descente. Oh oui, il y a une voiture qui est arrêtée. Oh, j'ai pas vu qui c'était. Il n'y a plus de drapeau jaune. On peut y aller. On passe Tim Harvey. Il y avait une voiture noire qui était arrêtée. Et il n'y a pas de voiture noire dans le peloton. Donc je ne sais pas du tout qui a abandonné. On va peut-être gagner une place. C'était sans doute peut-être une des Laguna. John Cleland ici. Allez, à l'intérieur peut-être sur le vétéran écossais avec la Vectra. On est au 11e tour. Il va rester une boucle. Est-ce qu'on va se faire percuter? Oui, par Tim Harvey, je l'avais vu venir. Prends l'intérieur sur Tim Harvey, ça touche. Les deux voitures sont blessées. On joue un top 5 dans ce dernier tour. Alors qu'attention, une Vauxhall indépendante en difficulté. Ça va être le contact avec Tim Harvey qui revient sur la piste. On peut doubler aussi John Cleland. Et la voiture qui est au ralenti devant, c'est Richard Reidel. Il a perdu son pare-choc arrière. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être le premier podium de la saison dans le dernier virage? On doit faire l'extérieur. La Volvo a une meilleure relance. Ce ne sera pas pour cette fois, mais on va sans doute s'imposer du côté de l'équipe Renault. Troisième place pour Richard Reidel. Et on va aller chercher une superbe quatrième place dans cette course incroyable. Et on termine finalement devant la Vauxhall de John Cleland et la 406 de Tim Harvey. Oh, quelle course! Encore une fois, incroyable rebondissement. Drapeau jaune dans la descente. Alors, qui est-ce? Sans doute un indépendant. On va laisser passer la Peugeot là, qui est plus rapide. Ouais, là c'est vrai qu'on a profité de la sortie de la Peugeot tout à l'heure. Et bien voilà, une fin de course extrêmement spectaculaire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on a gagné très très gros sur ce coup là alors je sais même pas où est Matt Neal. Je sais même pas s'il a terminé du coup avec la voiture, alors que Galli doit seulement passer maintenant le transpondeur. Et on est dans la pit lane maintenant. Alain Menu s'impose devant Jason Plateau. Richard Reidel 3e et nous faisons une magnifique 4e position devant John Cleland. Alors au niveau des pilotes indépendants, il y a Yann Brunstedt qui fait une très bonne opération également avec la 9e position. Il prend la 2e place dans le championnat indépendant, 3e place pour Matthew Neal, notre coéquipier donc sur le podium. C'est la première fois cette saison qu'on a les deux voitures du Team Dynamics sur le podium. Ensuite Lee Brooks 13e, très belle performance pour lui. Et derrière on retrouvera les pilotes ayant abandonné, notamment John Bincliffe, Paul Radicic, David Lesdy, Frank Biela. Donc pas d'Audi à l'arrivée, pas de Nissan non plus, James Thompson et Will Hoy avec la Ford Mondeo. Eh bien, que d'émotion à l'issue de cette course.